Allez, on se couvre et on fait attention. Bon, surtout, surtout, Diplex. C'est le vétéran, si ça tire, rampe. Messieurs, on va partir, c'est une grande patrouille, donc vous restez sur Bogard, là on s'éloigne de. On s'éloigne réellement des lignes. J'ai le chambre. Je sens qu'on va pas du tout être au contact là où on le souhaite. Le commandant a donné l'ordre à certaines escouades de se repositionner, c'est qu'on va être attaqué complètement sur l'autre flanc. Si jamais on entend des tirs, messieurs, vous vous regroupez sur moi, si jamais c'est pas des tirs sur nous, c'est des tirs lointains. Cette fois-ci, on va pas manquer le combat, on va essayer de les flanquer. Willem. Donc on essaiera de les flanquer directement. Dis au chef Chakan ce que je t'ai dit tout à l'heure, comme quoi il y avait une estafette qui était venue dire au commandant que ça pouvait venir de l'ouest. Aussi. Tout à l'heure, on a entendu une estafette dans l'info qu'apparemment le francilien Mendy viendrait de l'ouest. D'accord, très bien. Bah, si jamais ça vient vraiment de l'ouest, préparez-vous à partir. On va peut-être courir plein but sur les lignes adverses pour les empêcher de battre en retraite. Ok, on continue. Sud-ouest, les côtiers sud-ouest. T'avais raison, Tipex. On est pas que toi qui es devant maintenant. Ah, j'ai de bonnes oreilles. Je veux ça. C'est bizarre, c'est qu'on aurait dit un tir de car 98 et depuis il n'y a eu aucun tir de réplique. Ah, les armes sont grippées avec le froid là en ce moment. Ah, affirmatif, je pense que. Le car 98 est connu. C'est surtout que moi j'avais beaucoup de mal quand j'étais en Russie avec mon car 98. T'as le cylindre. Ah, attendez. Silence. Artillerie. Artillerie, direction sud-ouest, plus ou moins. Il me semble pas que le commandant avait parlé d'artillerie. C'est peut-être ennemi. Ah non, ça peut être lance-roquette, Les gars, on se repositionne tous dans la grange, Tiens, William, monsieur. S'il y a du tir de roquette, on se repositionne dans la grange, messieurs. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui vient vers nous, je crois. On a une missive. Restez en position, messieurs. Ok, vous avez okay, servant. Ici. Ouais. Les tirs et les tirs de Luc, on a perdu. Ils viennent de l'ouest, vous êtes appelé tout de suite en renfort sur Foix, à l'église de Foix. Vous prendrez Ok, reçu. D'accord, très bien. Messieurs, on se regroupe sur moi, s'il vous plaît. Allez, on longe la route principale. C'est parti, je passe devant, on court. Et on y va, ils ont besoin de nous. Des en vue, monsieur. Des en vue. Là, on est revenu, j'ai entendu que ça a sa chauffeur, donc du coup, je l'ai. Chacun, on a le commandant. Tu crois transmettre à des mecs qui, apparemment, chacun s'il faut, il y a le commandant. Prenez position dans l'église, je vais prendre des informations auprès du commandant. Vous prenez position dans l'église. Ah, dans l'église? Dans l'église, affirmatif. J'ai entendu là. J'ai entendu le radio du commandant lui parler, il parlerait d'un véhicule blindé. Oh putain. On a rien pour se défendre. Ici, il y a moi. Moi, j'ai ma solution. Il te reste encore quelques. Allez, il me reste quelques cadeaux. Ouais. Putain, s'ils ont un char en face, on est mal. Ok, Escouade Arc, on se regroupe sur moi. On a pour ordre d'aller défendre un secteur de pâté de maison en détroit, donc bien à l'extérieur de Foix, mais sur les hauteurs, donc on peut être contourné à n'importe quel moment. Il faut savoir qu'on a eu de contacts de chars adverses. Donc les Américains ont eu du renfort de chars. Nous avons très peu de munitions et très peu de Panzer. Panzer Shrek, merci, excusez-moi. Donc il va falloir qu'on fasse réellement attention, messieurs, on se positionne dans les bâtiments, on ouvre le feu que si on est sûr que c'est de l'infanterie et qu'il n'y a pas de char aux alentours. Et on se regroupe sur moi et on se prépare à y aller. Ouais, ça y est, c'est la bataille. Allez, faites attention à vos têtes. Il est pour nous. Allez. Oh
Oh. Éco-tire. Flanc gauche. T'arrêtes pas. T'as un carte. Ça va pas répliquer. Oh, ça pue ça. On me dit ça. Putain. Oh, c'était à côté ça. Oh putain. Il y a du char, messieurs. Faut continuer à courir, on se met en protection dans la ferme. Allez, messieurs, on se concentre. Les soldats d'assaut, on passe devant, s'il vous plaît, en sécurité maison. Attendez, j'arrive au fond. Gauche, clair. Grange, clean. Bâtiment principal, clean. Ok, on va essayer de se trouver une position. Logiquement, il doit y avoir quelques tranchées, quelques troncs de bois. Ouais, il y a des tranchées par ici. On va se positionner près des tranchées vers moi, messieurs. Tu veux pas rester dans le bâtiment en dur, chef? Ben, au minimum, soldat William, prenez T-Flex avec vous. Vous vous positionnez dans une des tranchées un peu sur notre. En amont là. Logiquement, il y a une tranchée. Un peu, Je crois que le chef va mort. Ouais. Il fait des réflexions sur son oreille. Ouh, blindé. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est sur ville. Ça tire sur le squad à côté. Ok, les autres, on se positionne bien. Je me mets sur ta droite, William. Qu'est-ce que ça? Je me mets sur ta droite. Ouais. Non, c'est si jamais il y a vraiment trop de contacts, on se barre. Ok. Ornette, tu t'es trompé de classe? Tu t'es trompé de classe, ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es pas médic. Ah, t'es pas médic là? Si, t'es pas médic. Oh non. Scheiße. Il a oublié ses bandages. On a un problème. Il a pas pris son package. Il a pas pris tout bon. Bon, on va faire sans, messieurs. Allez, on se recentre. On se recentre, faites attention parce que on a plus de position, on a plus d'indication sur le char adverse. Pour le moment, je vois rien, mais ça me paraît. Je vois rien non plus en 276 sur notre flanc. Par le soldat Tipex. Pour le moment, il n'y a rien qui bouge à distance. Mais c'est mauvais. Je le sens mal. Où on est positionné, je le sens mal. Bah, surtout comme un drapeau, on est coupé de tout le monde, on a occupé son repli quoi. Si, à la rigueur, si vraiment on prend trop cher, il y a des réseaux de tranchées creusés pour le génie. On se regroupe, il a dit le chef. Entre Dan. Silence. Alors messieurs, je sais ce que je vais vous demander, c'est compliqué. Mais est-ce que vous sentez d'essayer de faire un contournement? Reçu chef. Je suis clairement chef. Vous êtes tous d'accord, là c'est votre vie qui est importante, monsieur. Vous êtes tous d'accord pour faire un contournement ou vous préférez qu'on se replie sur les lignes de foin? On vous suit, chef. On n'a pas de médic. On n'a pas de médic affirmatif, mais là on va peut-être pouvoir leur faire mal. S'ils attaquent directement foin de face. Ouais. Essayez ouais, ou pas que... Vous l'essayez, monsieur? Ouais. Bon, non, allez, ça va. Ça a trop duré. On va essayer de passer, de les contourner en passant par les sacs de sable. Les sacs de sable, pas le pipe. Tu devrais pas passer devant, chef. Il a
Affirmatif, Willem, tu prends les devants, tu les fais passer par les sacs de sable, je ferme la marche. J'aurais dû me taire. Allez Willem, monte dessus. J'ai pas compris de passer par où. Les ballots de paille. On passe d'un ballotin à un autre ballotin et on essaye de faire un contournement. 3 mètres par ballot de paille, je crois. Je passe devant, attention. Je passe devant aussi. Alors, faut pas que les copains nous tirent dessus. Je pense qu'ils sont en bois. Ils sont en bois qui est face à nous. Mais on en vient, du bois, non? Non. On était sur le bois sur la gauche, non? On avance jusqu'aux maisons et on se plate dans les maisons juste en face. Willem, je crois que c'est les maisons de la dernière fois où on était. On les connaît par cœur. Ok, cette fois-ci, on vérifie l'arrière. Je vais pouvoir récupérer mes gourdes, cool. Ok, j'ai du visuel. Là de l'autre côté là. Visuel ennemi ou pas? Visuel ennemi? Bah je peux pas confirmer chef. Azimut. Ok, on sait pas. Avec là sur ma boussole nord-est. On est pas dans la deuxième maison sur la droite. Ok, j'ai le blindé. Audio char. Je tankais pas sur moi, le tir sur moi. Des mines sur la route. Des mines anti-char. Affirmatif, posez mine. Ah, il y a le char. Ok, c'est bon, faut poser. Il faudrait un soldat qui me pose une caisse. On se positionne dans la deuxième maison, messieurs. Deuxième maison. Chacun est du monde dessus, en haut. J'ai reçu. Posez des mines. Chacun, tu peux passer. Mais dans quelle maison? Celle où je suis ou celle où vous êtes, chef? Celle à droite. Entre les deux, vous posez des mines en milieu. En milieu sur la route. Mais les mines infantiles, elles n'ont rien entre les deux. Non, mais pas entre les deux, c'est juste aux alentours. Parce que le char doit être couvert par une équipe d'infanterie ennemie. Ok, il me faut une autre caisse s'il vous plaît, une autre caisse. Une caisse de munitions. Oui, une caisse de munitions, ça permet. Et dès que vous êtes prêts messieurs, on avance. Donc mettez-vous en position de chaque côté de la route, on se prépare à avancer. Mais juste en face, chef, hein, à droite de la route, là, j'ai vu du monde. Infanterie. Ok. Il est à côté du char. En fait. Ah bah, c'est ennemi alors, c'est ennemi. Je crois que j'ai un problème, messieurs, je crois que je me suis bugué dans la cuisine. Ah, un petit peu, oui. Bon, alors, normalement, il y a moyen de te débugger. Allez, tu es prêt. Je suis bugué, chef. Ah, voilà. Alors, vous êtes un génie, chef. On sait pourquoi vous êtes chef. Heureusement que je suis là. Oh putain, ouais, carrément, ça m'a trop foutu les boules. Allez, on se remet les routes le long de la route, de chaque côté de la route, messieurs. Quoi? Mais vous voulez on pas se remet en position par la forêt? Le souci, c'est que si on passe par la forêt, on va leur tomber nez à nez dessus. On va passer sur la gauche de la forêt. De nous, hein. Ça se bat contre la forêt. Affirmatif, prends pas ta gauche, monsieur. Faites gaffe aux tiraillés aussi, monsieur. Chef, si on voit un ennemi, on tire. Affirmatif, on tire pour tuer. Là. Oui, Willem. Ouais, Willem. J'ai été en reconnaissance et j'ai repris les positions adverses. Ok, ils sont loin de nous ou pas? Ok, bah on avance à couvert messieurs, on avance à croupi et on fait un maximum de morts. Ok, on passe par le bois alors.
Restez allongé, restez allongé. J'espère que les copains vont pas nous tirer dessus. Pas, j'aime pas là. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. On avance. J'ai eu quelqu'un, j'ai eu quelqu'un. Okay, j'ai eu quelqu'un. Tirez que quand vous êtes sûr de suivre. Ils nous ont repéré, la batteuse elle tire sur nous. On va se rentrer de la tue. Viens, Willem, recoller, recoller. Oui, on sait pas qu'on le part dans les maisons derrière parce que là ils vont avoir comme des lapins. Attention, il y a des mines devant la porte. Hein. Ouais, c'est les miennes, c'est les miennes. C'est les miennes, pardon. Chef, j'ai eu un officier à terre. Ok, reçu, on se lobe dans la maison. On a fait diversion, c'est le petit compteur. On a fait quelques morts. On se positionne dans les maisons et on les laisse venir. Ressortez pas, ressortez pas. Laissez-les venir, sortez pas. Montez pas en fenêtre, montez-vous pas en fenêtre, on monte au dernier étage. Montez au dernier étage. Dernier étage. On se bat au dernier étage. Ah, le chat il a le danger. Ouais, faudrait qu'on reste caché. Restez caché, il y en a un qui me couvre la montée d'escalier, les autres faites attention aux fenêtres. Bah, je suis au niveau de l'escalier. Si vous entendez les mines qui explosent, c'est qu'ils arrivent. Y'a personne en bas, on est d'accord? Affirmatif, pour le moment on monte au troisième étage. Ok, si ça monte, je tire. Autorisation de tirer par les fenêtres ou pas? Affirmatif, si vous voyez un visuel, vous tirez. Ok. Mais faites attention parce que le chat il va essayer de se faire les fenêtres. Et là, on est en train de sauver les corps. Ah bah là, on a clairement fait diversion, les gars. Vous pensez avoir fait combien de morts, les gars? On reste sur 1. On a fait au moins 4 morts. Le chat tire dessus. Oui bah on reste caché. Restez caché. Ne faites pas sortir vos canons de fusil par les fenêtres. Surtout pas. Faites gaffe à ça. C'est des indiscrets. Oh, laissez si reculer, laissez reculer. Ça serait magique. Ah ouais, ça serait pourri. Hein. Ça serait vraiment magique. Allez, on reste en position, ouais. Vous me couvrez les escaliers les gars, vous me couvrez bien les escaliers. Mettez-vous pas trop près des fenêtres. Hein. Ah ouais, il arrive. Nickel. C'était le but. Le but, c'est qu'on donne un maximum de temps à nos alliés pour qu'ils puissent se repositionner. Il faut du safet à calculer, non? Non, c'est négatif, trop compliqué. C'est trop compliqué. On est en plein milieu des lignes, les gars. Je vais en prendre une. Non, mais là, c'est surtout que si jamais ils pourront pas battre en retraite, s'ils battent en retraite, ils sont obligés de passer par nos positions. On peut vraiment faire mal. Ouais, par contre la question c'est bien de se faire encercler volontairement par l'ennemi, mais qui va venir nous déloger? Ben nos alliés qui tiennent la position. On a suffisamment de chargeurs les gars, on les a pas utilisés depuis 3 batailles. Ouais, mais le problème c'est qu'il faudrait pas qu'ils arrivent à prendre foi et qu'on se retrouve vraiment isolés derrière leur ligne quoi. Yes, on a repris foi. C'est vrai que ça, on a pas la croix de fer. Tirer un ou deux coups par les fenêtres pour les attirer à nous. C'est mort. Je vais tirer, d'avoir tiré une balle quoi. Est-ce que je peux descendre au rez-de-chaussée tant que les mines sont pas explosées? Vous tirez 2-3 coups. Vous descendez qu'à 2. Si vous descendez, vous descendez à 2 au minimum. Reçu. Willem, on y va? On va juste tirer un coup par la fenêtre et histoire de leur faire baisser les têtes. Ça se rapproche de nous. Ah, il y a du répondre. Ça se rapproche de nous, donc gardez les fenêtres. Mettez-vous en position, gardez les fenêtres, on sait jamais. Quelqu'un garde l'escalier?
Ouais, ouais, gardez l'escalier. Il y avait Tipex tout à l'heure qui le gardait. J'y suis, mais Willem il est mal placé là. Dans 5 minutes, messieurs, si jamais nos positions ne sont pas attaquées, on essaye de sortir et d'attaquer un peu les positions adverses. Reçu. Ils ont. C'est-à-dire comme ils ont... maintenant ils nous attendent. Affirmatif. Et le souci, c'est que là, ils ont éteint le bruit de leur char, donc faites le moteur de leur char. Parce que sinon, on pourrait essayer de retraverser la route, et là, on aurait des visuels grâce à la grange de l'autre côté, mais c'est risqué. Ouais, mais c'est vrai qu'on aura un bon visu de l'autre côté, hein, si on traverse la route. Ça se tente. Wilhelm et Tipex, vous prenez position dans la grange en face, les autres, vous essayez de couvrir la grange de notre position à nous, de nos positions. Bon, Tipex, ouais. T'attends sur le côté pour y aller. Vas-y, mute. Ils sont toujours en position. Non, c'était juste pour voir leur position. Ils sont toujours le long de la route, donc en traversant, faites attention, les gars. Est-ce qu'on a encore une caisse de munitions ou pas? Ouais, elle est posée en bas. Vas-y, mon gars, à la maison. Il y a l'étage, Willem. Il y a pas de visuel à l'étage. Je prends la maison. Non, Willem, il y a la maison derrière toi. On y va, on est dedans. Attends, je monte encore, Willem. Fais gaffe, la toiture, elle est abîmée. Willem, au dernier étage, on a un bon visuel. Merci, mec. Willem et Tipex. Oui. Vous essayez d'avancer de l'autre côté de la forêt. Nous, on va essayer d'avancer du côté de la forêt. T'as entendu, Willem? Ouais, reçu, mais on a découvert. Il faut avancer du côté de la route, mais on va essayer d'avancer côté forêt. Vas-y, tu veux qu'on passe côté gauche de la route, c'est ça? C'est ça, mais c'est un peu. Enfin, on a découvert. On a découvert. Mais avec votre paire de jumelles, est-ce que vous. C'est chaud, hein? Bah, c'est déjà chaud. Il y a le char qui est à gauche en plus là. Le char est côté gauche de la route, William. Ouais, c'est suicidaire, hein, chef? Vas-y, reviens. Chacun. Avance pour le moment, restez à couvert, vous tirez comme si vous assurez, monsieur. Chacun, c'est un. On rejoint parce que c'est impossible de progresser. Ok, oh, ouais, ça c'est garant. Ça c'est garant. Les balles vont passer au-dessus de nos têtes, vous vous levez surtout pas. C'est à toi qu'on est par là. Vous tirez, mais si vous êtes plus dessus, il y a des traités. Il y a du M1 dans la grange, on va faire ma fille. Ok, attends, je vois du monde, je vois du monde. Ils sont en train de sortir, ils sont en train de sortir, et ils sont sur le nord-est. Oh. Ah putain! La blague, putain! Faut que je me bande, devant moi! Ah c'est bon, je fais une petite éclat de grenade là. Merde. Oh. Willem, ça va? Ça ferme chacun. Eh, on s'est pris une grenade là. Ouais, je crois que c'est pris une grenade. Enfin, ils sortaient de la face, j'ai du monde en face de moi. Ouais, non, ils ont traversé, ceux qui étaient à droite sont allés devant moi, en face de moi. Ornette, on a pris une. Ok, on va essayer de progresser jusqu'au bâtiment qui est en face de nous. Enfin, en face, il y a des alliés aussi. Il faudrait indiquer notre position aux alliés là. On peut se moquer si vous voulez. Vous pouvez se moquer. Vas-y, en face de nous. Vas-y, smoke, lance tous tes smokes. Ok, je smoke, monsieur. Je smoke. Ils sont dans la maison, juste en face. Non, négatif, on va aller nettoyer la maison. Ok, d'accord, on t'écoute, je smoke. On va faire honneur à la case. Attendez.
Oh putain, Willem! On peut pas traverser, on peut pas traverser! Va tirer sur la gauche! Ok! On a pas de médic, on va courir! On se remet dans la maison, on tient la maison! Ok, reçu, spec! Ah ouais, il faut qu'on se mette dans la maison vite, vite! Alors, Hornet, tu gardes le rez-de-chaussée. Okay. Attends, je passe, Hornet, je passe. Ok, Tipex, mets-toi au premier étage, je mets au troisième, au dernier étage. De reçu. Y'a le char qui arrive sur nous. On les empêche de battre à retraite. On reste là, on a plus que 3. On reste là. Le temps qu'arrive. C'est bon ou pas? Ah si, il est là-bas. Je le vois. Ah, je le vois le char aussi. Il regarde pas vers nous là. Tu le vois, Tipex? Il est où à peu près? Dis-moi. Il est au nord là. Nord-nord-ouest. Oh putain, ouais, d'accord. Monsieur, il est au niveau des fenêtres. Il est au niveau des fenêtres. Il regarde l'autre direction pour l'instant, Tipex. T'es sûr? Okay. Le canon il est pas dirigé vers nous là. Ah oui, ok, bien fait. Oh, ils ont amené du lourd là. Oh, les Américains, je te jure. Hornet, t'es où? Ok, t'es là, parfait, très bien. Tiens ce porche, tiens l'autre, moi. Vous êtes en bas, vous? Ouais, ouais, et tous les deux en bas, tous les deux une entrée chacun. Putain, on a perdu Willem et Chakan et Hades. Ça fait mal, ça. Tout à l'heure, t'avais un bon visuel sur les bâtiments en face de leur groupe. Oui, de l'autre maison, on voit bien, oui. Ok, messieurs, dans la grange. On va essayer de traverser ce mec dans la grange. Non, pas dans la grange, pardon, dans le bâtiment, là, tu vois les, dans la toiture, okay. Là. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, on va aller là-bas. Ok. Hornet, viens là, on va traverser. Allez-y, traversez, je vous cours. Faites gaffe, il y a le blindé sur l'arbre. Je suis au dernier étage, Tipex. Dans la grange, ok, vas-y, engagez tout. Si vous voyez du monde, vous engagez. On reste en position ici. On voit le char. Il est sur la route. Ok, très bien, on a un bon visu, nickel. Attention, je passe sous toi. Je sais pas comment ça va se terminer tout ça, les amis. C'est nos alliés qui sont en face. Ouais, c'est ça, faut faire attention. Sinon, on progresse, là, on risque de se faire tirer dessus par les copains. Et puis il y a le char, il est toujours là. Hein. Bon les marsouins, cette vidéo s'arrête ici. Oui, je sais, la fin de cette partie s'arrête assez brutalement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai pas fait d'intro de vidéo parce que je voulais vous mettre directement dans l'immersion. Il faut savoir que j'ai coupé presque une heure de vidéo où l'on effectuait une patrouille avec mon équipe. Et du coup, je suis allé à l'essentiel pour que la vidéo fasse pas plus d'une demi-heure. Seuls ceux qui étaient présents lors du live ont pu sentir la tension monter lors des patrouilles. Et si vous voulez savoir ce qui va nous arriver, je vous donne rendez-vous ce dimanche 5 avril à 21h sur ma chaîne Twitch. Vous pourrez assister au dénouement de la campagne de foi, un event RP organisé par la team 716 Infanterie Division. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, si elle est jeune.